En fait, c'est un projet où on nous a approchés pour amener un spectacle professionnel, faire revivre la roulotte qui existe depuis 60 ans à Saint-Gabriel, parce que c'est la première roulotte avec laquelle Paul Buissonneau a créé le théâtre ambulant pour enfants à Montréal. Oh merde, Mylène. Oh merde. Tu vois les jeunes qui sont là, tu vois les personnes qui ne sont jamais venues au théâtre, qui rient, tu les entends rire, tu les vois qu'ils aiment ça. Et à partir de ce moment-là, c'est la plus belle récompense que tu as pour tous ces efforts-là que tu as donnés. Vous disiez donc que le présumé voleur était un gentleman, non? C'est pas moi qui le dis, mais le Morning Chronicle. C'est le plus beau jour de ma vie! L'argent du vol va y passer! Donc, on fait ça pour le public, pour les enfants, surtout les jeunes. Donc, que les jeunes soient au rendez-vous à chacune des représentations. Et la deuxième, je dirais peut-être de réussir à convaincre, encore une fois, de l'importance de la culture comme moteur de développement économique pour qu'on puisse travailler sur une deuxième année puis une troisième. On pense à Ville-Saint-Gabriel, bien, on pense à la roulotte. Ah oui, Ville-Saint-Gabriel, là où il y a la roulotte de Paul Buissonneau. Fait qu'il y a ce souhait-là qui est là derrière ce projet-là. Ça colore notre identité. Vous voulez dire qu'on peut faire le tour complet du monde en 80 jours? C'est bien ce que j'entends. Bah, c'est impossible. Rien n'est impossible. C'est important pour nous de poursuivre la tradition de la roulotte, d'encourager le talent amateur. C'est pour ça qu'on offre avant les pièces de théâtre des ateliers d'initiation au théâtre qui sont offerts à tous. Aux enfants. Enfin, elle est à moi! Enfin, elle est à moi! Bon, encore une fois, on répète ça plus tard. Là, quand tu te prépares, et là, tu vas lui demander est-ce que je peux la prendre? Lors de la dernière représentation de la roulotte, il va y avoir aussi trois jeunes de la relève qui vont se produire avant la pièce de théâtre. Pourquoi ce projet-là? Bien, c'est pour rapprocher les gens du théâtre et les jeunes aussi, les initiés au théâtre. Puis aussi, on s'est aperçu, théâtre, culture et tout ça, mais ça rapproche les gens, ça donne un sentiment d'appartenance au milieu. Donc, on est bien fébrile de voir un peu la première, puis la première année aussi, la première saison de la roulotte, et il y en aura d'autres sûrement, qui va prendre une nouvelle saveur, mais là, on est à l'écoute, on a les yeux, et puis ce soir, bien, c'est la première, donc on a bien hâte.